à tous. Sur route large, on va être en quinconce. Donc, Delta, vous mettez un peu sur le côté. Ok, sur la grosse route, là, on se met en quinconce. Donc, il y en a un qui sera un peu sur la gauche. Pas sur le côté droit. On va voir, tu regardes comment ils se mettent eux et toi tu te mets. Victor a lieu rapide de partir maintenant. Oui. C'était pour ça le quinconce. Je sais même pas si c'est féminin ou masculin. D'ailleurs, est-ce que c'est un nom? Ouais, c'est un nom. Ouais, c'est un nom, mais c'est vrai que. Hein, oui, une quinconce, un quinconce. J'ai... Si quelqu'un je dirais féminin. Ouais. Leader, Victor. Merde, c'était pas la bonne. Leader, Victor. Victor. Vous avez un GPS ou Dagar avec vous? Affirmatif. Ah, ok, nickel. Pas une pub pour de l'alcool là. J'ai pas regardé. On aurait dit une bière ou je sais pas quoi. Ah, ils ont tourné là. Ok, parfait messieurs, on va commencer à réduire l'allure. Victor. T'entres dans Fallujah, t'as le panneau où t'as la population, elle est barrée, il y a marqué 3 habitants. C'est ça. Ouais, si, il y en a un peu plus que ça quand même. Mais...
Victor et Delta. Victor. Delta, j'écoute. Il y a le débarquement, on s'arrête, vous prenez vos secteurs respectifs, sud-ouest, sud-est. Et on patientera avant de passer à la phase 0. Delta, reçu. Victor. C'est vraiment immense cette ville quoi. Et à chaque fois c'est étonnant en fait. Que là je vois l'antenne, là c'est à peu près le centre de la ville et j'ai l'impression qu'on est encore super loin. C'est indiqué un crash du coup. On va voir depuis quand il s'est crashé aussi. Hein. À gauche. Ça commence déjà. Ok, à tous on a été repérés, donc vous tiendrez bien vos secteurs. On se relâche pas. Ok, on attend le drone qui devrait pas tarder là. Ok. Ouais, ouais. Ou pas. Ok, chef, ils avisaient que le GPS de bord est resté dans le véhicule. À partir de maintenant, je suis en. D'accord, ok. En gauche. Ouais. Il n'y a même pas trop, ça. Apprends bien la carte alors. Vous avez repéré les fumées aussi hein, qu'on avait sur notre sud. Ouais, il y en a un peu partout. Ok. Donc c'est probablement pas le lieu de crash. Ça peut, mais je suis pas certain. Je retournerai sûrement jamais. Place-moi un mec sur le sud là, entre les deux baraques là. Normalement, on a déjà Warzone qui devrait y. Si tu retournes toi de temps en temps, il est passé. Warzen ? Ouais. Sur le sud, entre les deux baraques. T'as totalement changé de crémerie quoi. Donc recule 10 mètres derrière toi et là tu me prends. Ok. Un bit d'essence inflammable sur le côté de la route. Je sais pas si c'est. T'as pas vu d'ennemis pour l'instant ? Non. Ça continue. Tu montes sur la mitrailleuse de bord et tu me prends un axe. À l'est ? Oui. Ok. Trois, quatre minutes, le drone va être dans la zone. Sauf qu'on est là, mais ça m'étonnerait qu'ils quittent la zone chaude. Tout qu'ici tout est vert, donc ça m'étonnerait qu'ils viennent s'aventurer ici. Je vais rejoindre.
C'est vrai qu'on a croisé personne. Il n'avait pas entendu les coups de feu Si. Si, moi j'ai entendu un coup de feu. Si. Probablement de la zone limite zone orange. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pas de visu sur. Je crois qu'on les a entendus, on devait être colonne 50. C'est bizarre que les routes soient barrées comme ça ici là. Pas indiqué qu'ils avaient barré des routes d'un Fallout 2. Un piège. Ouais. Ton job, ça sera de surveiller les hauteurs. À la recherche de sniper. Ok. Sur tout ce qui sera progressif. Ça dépend qui contrôle quoi. Au sud-ouest. Ça claque, n'oublie pas de me le dire, moi j'entends rien. J'entendrai rien. Une dernière petite note, essayez d'identifier avant de tirer, présence de civils, et n'oubliez pas que les ennemis peuvent être entranchés dans les bâtiments, alors on fait attention aux balcons, aux fenêtres, etc. Putain. Allez, le drone. En 4 minutes. Hein. Également, essayez de prendre des serflex quand on partira. Ça peut servir s'il faut mieux immobiliser des civils ou quoi. C'est vrai que dans le briefing, c'est indiqué. Il y a une fois, c'est indiqué 20 minutes, il y a une fois, c'est indiqué 15 minutes. Quoi? Donc, en fait, si tu veux, dans le briefing, c'est marqué. Son flux vidéo sera mis à notre disposition d'ici 20 minutes, et plus bas, c'est marqué au bout de 15 minutes, un terminal est donné. Donc, c'est peut-être 20 minutes en fin de compte. Ouais, je suis à 20 minutes, là, ça va pas tarder normalement. Avant de quitter le véhicule, Jet, tu regarderas si tu peux prendre des bandes supplémentaires pour. La M249. Ouais. Warzen, tu prendras un AT4. Voilà. Un AT4. Ok. Plus d'image dispo. Ok. Quel? Contact Est de 3 Pax. Distance. 300 mètres, même pas. Ils sont 4. Ouais. Allez, on les fume. Okay. On les laisse pas passer. Eh ben, c'est parti, t'as le droit de tuer. Il est passé, putain, merde. Bon, je me range sur le drone. Ça réplique. Mystery, t'as pas de visuel. Pas de visuel ici, non. Ok, bah voyons sur la... Tu les verras. Allez. Si besoin, tu peux au niveau du mode.
gaffe la vieille, j'en ai vu un partir sur la gauche. Hein. Sur le drone, là, je cherche les pas. Tu me détruis le mec s'il te plaît? Ouais, je vais bien en visif. Ok. C'est pas le mec avec le t-shirt bleu là qui est allongé face au nord? Ouais, s'il bouge. Il est à droite de la route. Là. Tu l'as en vue, ouais, Mister? Ah, je vois rien ici, hein. J'ai pas d'optique. Ah, ok. Il vaut mieux que Jay utilise des balles de la M2. Là. Ouais, mais là, c'est vraiment des petits pixels que je vois. Là. Ok, je l'ai. Regarde avec ça. Je l'ai, les pilotes sont à terre. Merde. Il y a de l'insurgé tout autour. Oh putain, ça grouille, mais pas du tout. Ok, t-shirt bleu allongé par terre. Bah, justement, vas-y, tu me. Ouais. Je t'en assure. Je saurais situer le lieu du crash en fait. Ouais, je scanne un peu pour voir quel tir on va prendre. Arpère hélico. Dans le sac. Ouais. Story pareil avant de partir, grenade pour toi, dont fumier et dans la voiture tu les prendras avant de partir. Maintenant si tu peux répéter. Vérifie qu'il soit quand même armé. Leader Victor Delta sur moi. Ici. Alors, je l'ai repéré. Il est juste ici, là. En 051-052. Ouais, ouais, c'est... 051-942. Vu ? Ouais. Tac. Je pense qu'on va faire comme on avait prévu. Ouais, on fait jusqu'à phase 1. Ensuite, de phase 1 à phase 2. Victor. Tu vas faire une avance. Comme ça. Tac. Reçois merde. Hein. C'est pas strict. Audio véhicule. C'est un hélicoptère, non? C'est notre drone, vous inquiétez pas. Il en fait du bordel. Ouais, c'est clair. Tac tac. Victor, tu vas ouvrir la marche. Delta, tu vas fermer la marche. Non, c'est pas notre. Et donc je suis. C'est pas notre drone ça, mais c'est bon. On le bruit pour l'hélicoptère, pour un drone. ouais, on va rester groupé. Ça va être Victor qui ouvre la marche, Delta qui ferme la marche et qui assure les arrières. Ok, bien fait. Victor, une fois que qu'on sera arrivé sur phase 2, je vais t'indiquer une position, mais une fois qu'on sera arrivé sur phase 2, tu feras une couverture. Ce sera Delta qui va avancer sur la zone du crash. D'accord ? Tu auras une couverture okay. Sur toute la plaine entre la phase 2, là où on va atterrir, et la zone du crash. Ok. De toute façon, moi je vais être au drone, je vais pouvoir vous guider et vous dire ce qui arrive sur vous. Donc ce sera Delta qui avancera seul jusqu'à la phase 3 en passant par ici. Ouais. Et en recoupant vers la zone du crash. J'ai vu deux de nos pilotes qui sont morts. À proximité de la carcasse du Black Hawk. Il y a beaucoup d'ennemis dans la zone. Victor, vous allez avoir un gros travail de couverture. Je regarderai aussi vos arrières, Victor, pour vous prévenir au cas où des ennemis qui arriveraient par vos flancs ou votre arrière, ok? Ouais. Non, vas-y, je te laisse pas. Non, je vais regarder, jeter un petit coup d'œil dans le drone. Si vous avez des questions, je réponds en même temps.
Ouais, pour extraire les mecs morts, il faudrait ramener un véhicule, je suppose. Ouais, c'est bien vu. Et zone sud, H, y a du monde ou pas? Ah, y a du monde partout autour là. Y a du monde partout. Là je regarde. Y en a au sud. Ouais, non, ça coule. Y en a au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. La bonne nouvelle c'est que sur la phase 0, phase 1 et phase 2, ça a l'air d'être relativement clear. Okay. Sur l'itinéraire. Alors, je repère les bons bâtiments pour positionner Victor. Bah après, si on peut avancer avec un véhicule, autant prendre un véhicule armé. Ouais. On pourrait même faire une percée en véhicule, peut-être jusqu'à la phase 1. Je crois que ça tire de l'ouest, mais je vois rien. Non, c'est l'est. Eu ok. Ok, alors les bonnes positions de couverture, Victor, ce sera celle-là. Ouais, je note avec des points rouges. Celle-ci. Ok. Attends, je vais la remplacer par des points verts parce qu'il y a beaucoup de rouge. Celle-ci et celle-ci. Ok, je corrige. Ce sera plutôt celle-ci. Celle-là, on oublie. Ça, ce serait une bonne position d'avancer pour vous, Delta. Les deux du sud, là. Ici. Je pense que de toute façon, je ferai une pause ici, là, et... Ok. Ces deux bâtiments-là sont assez bons pour se retrancher, ok? Je pense faire une pause ici, et... voyer un peu, et avancer. Les meilleures positions sont en vert pour toi, la vieille. Okay. Après, on avisera sur le terrain, sinon, ok? Mais je pense que ce sera la meilleure position pour toi. On va reprendre les véhicules. Pop. Et on va passer... À quelle phase on prend les véhicules alors? On va les laisser sur la phase La phase 2. On arrive à toute berzingue sur la phase 2. On sécurise la zone. Dès que c'est un peu plus sécurisé, Victor, essaie de prendre une position. Dès que t'es en position, Delta, tu commences à avancer. Ok, d'accord, bien fait. Donc en gros, on va s'arrêter ici, à peu près. On va entre les deux. Ce que je voudrais, ce serait qu'on s'arrête ici, là, je note vite fait. Ah, d'accord. J'ai fait un petit cercle. Vous voyez, on se glisse entre les bâtiments, on arrête les trois véhicules, là. D'accord. Ça marche? Ok, ça marche. On sort des véhicules. Delta, t'enroules par là. Victor, t'enroules par là. Ok. Victor, tu seras à découvert, attention, d'accord? Oui. S'il faut tout de suite te replier sur la zone qui est ici, là, tu le fais. C'est pas grave. D'accord. L'important c'est qu'on sécurise la phase 2. Une fois qu'on a sécurisé la phase 2, c'est bon, on temporise et puis on fera avancer Delta en fonction de ce que je vois dans le drone. Point de passage. On va traverser ici avec les véhicules. On essaie dès qu'on peut traverser les deux voies, on redescend sur cette route là. On longe ici et on vient tout de suite se planquer là. Ça marche, c'est vu? Ok. C'est vu ou pas, Doudou? Ouais, c'est vu. Ok. Victor, tu mènes la marche. On y va à vitesse modérée. Pas besoin de se presser. Par contre, on s'arrête pas en cas de contact. D'accord? Ça marche. Vous êtes prêts, vous 50 km/h, c'est. L'important, c'est qu'on reste paqué, ok? Mais j'insiste sur le fait qu'on ne s'arrête pas en cas de contact. Oui. Ok, d'accord. 50 et puis on accélérera si jamais. Pas de soucis. L'important c'est qu'on reste paqué. J'insiste là-dessus et qu'il n'y ait pas d'accident. Je préfère qu'on y aille à vitesse modérée mais qu'on s'arrête pas. Je vous laisse briefer vos hommes. Ok, d'accord, ça marche. Ah.
prend quand même notre véhicule. Venez, nous, oui. Venez chez moi. On va aller sur Warzen. Je lâche la surveillance là. Sauf si tu m'entends d'ici. Il s'est passé personne. Ouais. Okay, on parle fort. Ouais. Ok, donc de toute façon, vous avez assisté au briefing leader. Donc en gros, on va s'enfoncer vers le sud jusqu'à avoir une position à partir duquel on aura visu sur le crash. À partir de là, on restera sur place pendant que Delta avancera sous notre couverture vers le lieu du crash. Pour cela, on va progresser et s'arrêter à P2 sur l'écran vert qui est actuellement sous mon doigt. Donc regardez vite fait, abandonnez vos secteurs. Ici, ça va être notre objectif. On va lâcher les véhicules. Regardez mon doigt vite fait. Hop. Mais non, pas mon doigt, connard. Et Attends, je vais larguer hein, ma lampe parce que je vais pouvoir prendre des fumigènes, je pense. Allez, mettez-vous en position. Je rappelle, c'est Victor qui ouvre la marche. Allez, on est parti, Victor. Malheureusement, je crains que ce soit lui qui gagne. Il y a du civil dans le bâtiment. Donc, j'ai rechecké, c'est toujours clear jusqu'à la phase 2, jusqu'à notre point d'arrêt. Donc, on y va tranquillou, on devrait pas avoir de problème. Il y aura que des civils sur la route. Victor en avant. Apparemment, jusqu'à la phase 2, ouais, le commandement nous confirme qu'au drone il ne voit que des civils. Ok, ah ouais, putain, je vois bien. J'ai entendu les balles claquer autour de mes oreilles quoi. Ah, mets-toi derrière le mur. On va prendre la direction. Ah ouais, putain. Ça
c'était plein est plus ou moins de notre direction, notre voilà, position. Je vois où ils sont. On se merde. Okay. Est-ce que ça bouge? À coup? Ouais. On va essayer de progresser via le pontoon, histoire de pas s'exposer sur l'est, étant donné qu'il y a un sniper repère. On va essayer de le traiter en attendant, mais quand même du contact, donc on va passer par le pontoon. Ok. Ouais, attends, je te dis ça, pop, pop, je regarde la caméra. Juste là. Attends, attends, je suis la caméra là. Ah, tu sais quoi? Ouvre la route de Doudou et tu repasseras ensuite entre les blocs pour prendre ta position. Ok. Ouais. Enfin, de toute façon, on va passer par le pontoon quand même. Si ça. Ouais. Ou tu veux qu'on élargisse et qu'on ait des choses. Non, non, mais pas sur le flanc droit avec Doudou et le campement, vous pouvez pas le traverser. Donc, si c'est soit par la gauche, soit par la droite là. Ok, ça marche. On va passer par là maintenant. Tu préviens de pas partir. Vous ouvrez ensemble et ensuite tu te positionneras. Allez-y. Ok, traitez-vous. Et Delta prêt à continuer à progresser. Ok, Delta Victor va passer avec vous. Parfait, quand tu bouges, tu me dis où t'es, comme ça je sais. Je suis à 2 mètres de ton épaule droite. Ok, ah parce que j'ai la tronche dans la caméra donc... Ouais, t'inquiète. Bon, une fois que je sais m'en servir, tiens de merde. Ok, Delta Victor, contact sud sur votre avancée. 4 hommes qui arrivent sur votre sud. À Victor, prie. Ok, ils sont sur la phase 2, ils sont sur la phase 2 en face de vous, ils sont à 50 mètres. Correction 5 hommes, il y en a un qui s'est réfugié dans le campement sur votre droite, attention. Il a rejoint ses collègues. Dehors de Victor, je me sens pas bien, je me repose et je rentre en combat des cochons. Les 5 contacts traités, bien joué. C'est parfait, je suis en train
J'ai pas mal engagé le groupe à l'est, là, il a répliqué, mais... Okay. Au sud-est, pardon. Au sud-est. Ok, Delta. Il y a des Victor, on attend qu'il nous passe devant. Delta, tu m'entends? Ok, de leader à Delta, 4 hommes en approche sur le sud, à un pâté de maison, de l'autre côté du pâté de maison à votre sud. Pour Victor? Victor, j'écoute. Dis à leader Delta que sa radio est bloquée. Mais Delta est revenu, il a fait demi-tour là. Ok, vous avez 4 hommes sur votre sud, un pâté de maison derrière vous, attention. Leader à Delta. Putain! Elle a quoi ma caméra là? Sur le sud. On a contact. Ah, on a contact sud-est, mais c'est... a priori c'est neutralisé, mais pas sûr, attention. Ok, leader sud-est. Aku est mort? Non, mais je suis là. On a Wargen qui est pris cher. Doudou, ta radio elle était bloquée, je crois. Merde. Je suis dire de Victor, opérateur radio sur. C'est reçu, reprenez vos positions là, vous avez arrêté la progression, on va reprendre la même progression. J'avais un bon guidage, seulement la radio de Delta était bloquée. Ouais, c'est reçu, on est stationné pour l'instant sud où on attend. Faites un test radio avant de repartir peut-être parce que... Ouais, leader pour Delta, test radio. C'est bon, ça passe. Allez toi, vas-y. Delta, je reçois. Ok, leader à Delta. Leader à Delta, tu me reçois? Oui, c'est bon, on va faire ça. Ok, allez, on est parti. Ok, un mec juste devant là. Fais-le parce que moi. Tu testes. Ouais. J'ai la gueule dans le drone. Ouais, t'inquiète, t'es à couvert là. Enfin. À couvert d'un pare-brise quoi. Voilà. Ok. La caméra. Ok, Delta, un contact sur votre sud, pâté de maison au sud, sud de votre position. Le bâtiment dans un campement isolé, il s'en va vers le sud. Delta, prenez face sur, position sur la phase 2. Ouais. Victor, ça tue? Victor, oui, patientez, on essaie d'établir la position et on reprend la suite. C'est plutôt clear à l'ouest et à l'est, surtout sur le sud-est et le sud. Là. Laissez Delta prendre le sud et essayer de basculer sur le compound qui est sur l'est là pour avoir un visu sud-est. On bascule sur le compound est pour avoir un visu sud-est, c'est reçu. Ok. Ouais, écoute, c'est juste à côté de toi, ça tape, fais gaffe. Tu dois peut-être rentrer dans le compound. Ok. Ouais. Il faut rentrer là-dedans. Ah oh, putain, merde, je suis bloqué en zoom, c'est quoi ce bordel? Vite. Victor en prise pour l'instant. Ouais.
va avoir besoin que vous passiez sur le campement qui est sur votre est. Mais passez par le nord, passez par l'intérieur, passez par le nord. Ah, trop tard, allez-y. Delta est parti, on couvre son avancée et on rejoint. Ok, ça marche. Delta, attendez que Victor soit en position de couverture avant d'avancer plus, ok? Delta bien pris, on sécurise juste le campement. Ça marche Delta, méfiez-vous de votre est et de votre sud-est. La sud-est, bien pris. Ok, jaune. L'ouverture nord. On se partage à nouveau sur ce canal. Ok. Delta, j'écoute. Vous voyez les trois bâtiments qui sont sur votre sud-sud-est? Leader de Victor, on a un amateur. C'est reçu, Victor. On a fait la position. Delta, vous pouvez parler des bâtiments en traversant la route. Je parlais des bâtiments qui étaient directement en votre sud-est, mais c'est bon, la menace a été faite. Leader de Victor, parlez. Leader. Ok, on a récupéré notre homme, blessé en souffrance. Est-ce que vous voulez qu'on rejoigne toujours le pontoon en question parlée? Confirmé, vous rejoignez votre campagne, je vais faire venir le médic sur zone. C'est reçu, le pontoon en question se situe à gauche de celui occupé actuellement par Delta, correct? Sur votre est, directement sur votre est, celui juste à côté. Ok, c'est bien pris, on l'occupe immédiatement. Le leader à Delta. Delta, j'écoute. Vous pouvez commencer à avancer vers vos points de sécurisation rouges là que j'avais marqué tout à l'heure. Passez par l'intérieur des bâtiments, tout est clair sur votre sud a priori. Delta, bien pris. Faites attention à l'est quand vous faites des traversées, Delta, ok? Delta, bien pris, l'est. Ah, on tient le drone. Ouais. C'est parfait? Ouais, faut que j'aille me faire du médic, c'est ouais. Où? Il faut que tu avances sur le bâtiment qui est en 049 944. Bah celui-là, tu vois? Ouais. Voilà, il faut que tu ailles là. Ok, c'est ouais, par c'est l'intérieur. Juste à côté. Ouais, ouais. Passe par l'intérieur. Ok. Leader. Okay. Demande d'autorisation de traverser la route pour occuper le contenu qui nous fait face par là. Patientez. Thank you.
à Delta. C'est parfait, je vais terminer le soin. Est-ce que je reviens sur toi? Ouais, je confirme. Ici Delta, j'écoute. Ok, c'est clear sur votre avant. Faites juste gaffe, le deuxième point, le point le plus au sud, le point rouge le plus au sud, il y a juste un mec retranché dans la coupe. Ok, bien. Ok, je suis là. Leader de Victor, parlez. Leader. Homme blessé, on a besoin de médic. Je crois qu'il faut que tu retournes par Fell. Ah, ça va. Ils ont pas bougé. Tiens, reçu. Dehors, Victor. Victor, parlez. Vous savez ce qu'ils vous pick down depuis tout à l'heure là? Bah on n'est pas pin down, c'est juste une chute d'escalier. Ok, reçu. Le leader Delta. Delta, j'ai besoin que vous accélériez, il n'y a personne sur votre chemin, mais il y a des gens qui arrivent par le sud, j'ai besoin que vous vous fortifiez sur les positions données. Bien pris en avance. Parfait, ça se passe comment?
rafale, j'ai des gens qui tombent des toits, donc j'ai un peu beaucoup de soins à faire là. Ok, ça marche. Actuellement, Delta est sur le bâtiment en 050-942-P7. 050-942-P7. Donc le bâtiment avec le point rouge le plus au sud. Est-ce que c'est reçu? Delta, je peux vous traquer notre univers si vous voulez. Ok, à la rigueur, Delta craquera une fumée s'il faut. Vous vous déplacerez, Victor, dès que valide, vous vous déplacerez à grande vitesse. Vous avez aucune menace, vous vous déplacerez à grande vitesse vers ce bâtiment-là. Vous prendrez position là et c'est de là que vous les couvrirez, ok? Victor. Le leader à Delta. Delta, j'écoute. Vous allez avoir une équipe de 5 hommes qui va débouler sur la rue, sur votre est au fond. De médic, l'estimation avant fin du soin. C'est bien pris. 3 minutes. Reçu.
après tu me le dis quand même. De toute façon je vous verrai, mais dis-le moi quand même. On va te laisser un fût. Delta, mon top, vous commencerez à pas avancer vers la carcasse. Ça reçu. Delta, bien fait. Je rappelle Delta qu'il y a une possibilité que la zone soit minée, alors faites attention en arrivant là-bas.
besoin de médic sur place, non. On a plus de bandage. C'est reçu, est-ce que c'est tenable pour le moment? On vous recontactera en cas d'urgence. C'est reçu. Sur le nord du crash, quoi. Merde. Leader Delta, vous me recevez? Merde, il y avait un putain de fourbe planqué. Ouh, je crois qu'ils sont tous fait wipe, attends. Merde. Pas vrai. Delta. Canade de Victor. Leader Victor. Leader à Delta. Ouais, leader. On a visu sur Delta plusieurs zones de la Terre. Ouais, j'ai vu ça, Delta. C'est la grosse merde. Il y avait un tyran en plus et je crois qu'il les a tous eus. Victor, vous allez avancer sous mon œil. Laissez le blessé, s'il n'est pas valide pour marcher, laissez-le en couverture. Bien sûr. Ce petit enculé. Ou j'avance pour essayer de sauver des vies ou c'est mort. Tu peux prendre un véhicule et avancer. Le point rouge le plus au sud, c'est là qu'ils sont. Ok. Ok, je vais essayer de trouver. Tu me dis, hein, sinon je te dis où ils sont. Hein. Leader Victor. Victor. Ok, prêt à recevoir des coordonnées? Patientez. Allez-y. Ok, coordonnées 051-943-P6. 051-943-P6. Tirant embusqué avec visu sur la zone du crash. 051-943-6, c'est reçu. De leader à Victor, ne bougez plus. On a masse ennemis insurgés qui arrivent depuis l'est de toutes les rues. Victor. Ouais, j'ai même un petit enculé qui arrive sur moi. Ils sont apparus comme des je sais pas où. De pas d'où, ils sont à peu près sur tous les secteurs. Depuis la phase 1, phase 2, phase 3. Ouais, c'est reçu, on reste sur place. Victor, si vous avez fait avancer des hommes, faites-les reculer et repliez-vous sur le bâtiment précédent. Victor.
Tiens, un petit PD. Allié. Tout le monde va bouger avec Sparkle. Ouais, à coup bien ici. Ouais, j'arrive. Ouverture sud. Bah, c'est pas. Encore un mec qui a mis, c'est un miracle.
Ok. Rebouger avec Sparfall et Mystery. Il reste combien de monde là? On est quasiment tout Victor. Je me débarrasse de mon 5. On est 1, 2, 3, 4. 5 avec. Ah, vous allez bouger, de toute façon vous allez vous replier là, donc laissez vos sacs, laissez ceux dont vous n'avez pas besoin ici. Histoire. Oui. Laisse mon sac, il y a mes chargeurs dedans. On y va en. Peter, on perd du temps pour rien. Ah, attends, c'est pas mal. Ouais, ça va sûrement être rapide. Je te confirme ça. Je suis en bas. T'as bien compris pourquoi je le laissais dans ça. Bon, je vais plus rapidement, je pense. J'ai perdu, c'est pas grave. Ah ouais? Bah, tu peux le reprendre. Un mec au nord, un mec au nord de la zone du crash. Un mec au nord de la zone du crash. Pas de marche pour l'instant. Non, zone crash, c'est reçu. Il est pour toi, Thierry. Prêté. On peut y aller à gauche. Dans la rue à gauche, dans la rue à gauche, y'en a encore un. Y'a aucun visu. J'ai vu T300, il est dans la rue à gauche, faudra faire gaffe. À coup on bouge. Ok, ça marche. Ok, allez en avant les gars. La vieille, tu feras attention au mec qui est embusqué hein. Leader à Victor. T'as vu le mec que t'as buté? Oui, oui. Dans la rue qui a plus à gauche, là, il y en a encore un qui va débouler. Je te guiderai, je vais me remettre sur le drone. Ouais, bah si je comprends bien, il va arriver vers la gauche en faire drone. Ah putain, pourquoi la caméra elle se repositionne toujours? Chier, putain, reste en place. Ah, mais oui, c'est vrai, t'as un drone quoi. Il est où le mec là? Le leader Victor, attention, tireur embusqué sur votre nord, sur un toit de maison, je répète, tireur embusqué sur votre nord. Là, je leur dis, fais gaffe. On n'a pas en visu le tireur ici? Le leader Victor. Tu vois la carcasse d'hélico? Ouais. Deux maisons sur la gauche. Attends, est-ce que là il y a une douleur qui persiste toi? Ok, la carcasse et la maison qui est à gauche. À l'opposé de la route? Ouais. Regarde mes traçantes. Ouais. Ça doit être dans ce bâtiment là si je me trompe pas. Ah, j'ai pas de traces. Bon, les gars, j'ai un problème, j'arrive pas à voir. Non, je vois pas tes balles là. Ok, je suis sur l'azimut 65. Ah oui, donc je suis sur votre canal, les gars, vous me recevez? Oui! Attention à vous, vous avez un tireur embusqué sur un toit de maison sur votre nord, attention. J'en ai abattu deux, il y en a encore un? Je vérifie, j'étais en train de la smater. 65 tu dis? Putain, les douleurs qui persistent, ça me saoule. Caméra.
j'ai aucun visu sur toi. Le leader Victor, je peux pas affirmer avec certitude qu'il a battu, je sais juste qu'il est dans un escalier à ciel ouvert. Victor, c'est reçu. Pistolet, t'as bien pris. Ouais, je vois un fusil qui dépasse un escalier là et je me balade et j'ai pas de prix de balle. Ok, dans ce cas, tu reviens sur nous. Putain, qu'ils mettent du temps à refroidir les corps. Leader de Victor, pareil. Ouais, j'écoute. Ça serait possible de venir avec la voiture histoire qu'on commence à charger les cadavres. Ouais, est-ce qu'il y a des survivants chez Delta ou pas? A priori, un survivant. Ok, on va se mettre en mouvement, je vais prendre ton homme avec. Ou alors je vais peut-être le laisser ici, attends, je sais pas. Attention. Ouais, je vois un fusil dépassé, mais je crois que il a été traité. T'entends un peu? Ah ouais, je t'entends, je t'ai entendu. Bon, écoute, tu vas rester là en couverture, de toute façon t'es sur le canal, si j'ai quelque chose à te dire, je te le dis en... Ça marche. Ok, de leader à Victor, j'arrive avec un véhicule. Ça marche. Je laisse ton mitrailleur en soutien. Ça marche. Il n'y a pas les bâtiments sur ce truc là. Allez, c'est pas grave. Attention au sud, j'ai entendu un tir qui devait venir de la station service. Ouais, confirmé, j'ai pris un tir en passant, en traversant. Mais Jay est descendu là, c'est normal? Je sais pas quel ordre tu lui as donné à coup. Je lui ai dit de rester là en couverture. Là, il est descendu déjà. Ah, il a dû tomber, je pense, il essaie de remonter là. Oh non, mais sérieux. Encore, putain. Et lui, non, il a pris une carte d'abonnement. La vieille... DJ, je suis encore tombé du toit. Je t'ai aperçu. Il va falloir faire une formation, comment marcher sur un toit. Surtout qu'il soit capable d'assurer ses propres soins. Ouais, mais c'est pas possible, on a plus de bandage. Hein. On peut en récupérer sur les blessés, puis les lui amener. Non, mais demande-lui s'il est ok ou s'il a besoin de secours. Il a besoin de secours. Ça va prendre du temps pour remettre de la pompe parce que. T'as peut-être pour le soin ou t'as de quoi faire? Il y a une tension vraiment super basse quoi. C'est quoi le pouls normal, la vieille? Le pouls normal c'est. 80. Ok, Jay, maintenant son pouls est stable, la tension est super basse quoi. Ouais, 120 en tension. Il y a pas assez de sang. Ouais, de toute façon, il est resté 10 minutes dans les maps là. Ouais, c'est ça, il faut que tu fasses des cadavres, tu récupères les systèmes de soins et tu les amènes à... Ok. Alors... On va également commencer à charger les cadavres. Attends, je remets la tête dans le drone et je te confirme ça. Ouais. Oui, de toute façon, je peux le faire. Hop. Que je vois ce qui nous arrive encore sur la gueule, là. Peut-être que les instruments en sécurité. Enfin, qu'il y a au moins... DJ, je saigne du bras gauche, j'ai plus de bandage. Deux tags de stay sheet. Ah, c'est reçu, t'inquiète, on récupère des bandages en fait. Bordel de merde. Il est bien en manière. Mon doudou là, il est super, en fait là, on peut mettre dans un véhicule et bouger, hein, c'est pas faire grand chose pour l'instant.
pas le retaper ? Il est à pied ou en bagnole ? Si, mais il est en cours. D'accord. En fait, faut que j'attende que sa tension remonte. Dans ce cas. À pied, tu risques de prendre des tirs par le sud, là, j'étais en véhicule, j'en ai pris. Il y a l'air de. J'envoie le véhicule là-bas pour amener les bandages à Jay, il revient avec. Ouais, bah ramène Jay aussi, tant qu'à faire, qu'il reste pas là-bas. Hein. Ouais, Jay, tu reviendras avec nous en véhicule. Confirme. Parce que dès qu'on le laisse tout seul, il tombe par terre, donc. Tant qu'on l'ait avec nous. Par contre, j'ai une couverture à 80 degrés nord. Putain, mais ils sont vraiment tous morts autour du truc. Ah non, mais il y a les pilotes là-bas aussi. Ouais, il y a les pilotes là. Hein. Ah merde, il a repris parce que j'ai encore un sac médical. Ah, une housse, pardon. Est-ce que tu crois que la vieille, est-ce que tu crois que si je mets une épi maintenant, ça peut le mettre en danger, sachant qu'il a un rythme cardiaque stable. Par contre, il a une tension encore assez basse, genre il a la tension. On a encore un peu de temps. Tension de 61. Non, non, ça ne mettra pas en danger. Peut-être le réveiller, non ? Ça ne le réveillera pas, mais ça ne fera pas de mal. Ça va la remonter artificielle. Elle suffira pas le réveil. Tu crois ? Est-ce que c'est. Elle se réveille à combien à peu près ? À 100 ? 80 ? Ah ouais, ça, mais 80-100 ça paraît pas une valeur. Ce qu'il y a, c'est qu'après il faudrait aussi vérifier la douleur pour parfois l'empêcher de se réveiller. Pour être. Bonne urgence en cours, cher. Ça va contrebalancer les pics. T'as fait que les mecs, il y a un mec juste sur notre sud là. Tu sors du campement, tu prends à droite, tu regardes au sud, il y a un mec qui nous tourne le dos normalement. Non, à droite la vieille. Ah, l'autre. Ouais. Vas-y, prends les risques. Tu regardes au sud, normalement il y a un mec. Yep. Évite qu'il nous regarde. C'est pas lui. Ah bah tu vois le cadavre ? En fait, il est au niveau du cadavre. Je vais me déplacer, j'ai essayé l'autre. Pas une grenade à main sinon. Thierry, on revient. Attention. Ouais, c'est pas une urgence pour l'instant, il bouge pas la veille. Ouais, c'est bien. Putain, doudou. Ok, bientôt sa transfusion est bientôt finie, j'en ferai une autre. Tu balances une grenade à main. Oula. J'ai pas envie de me tuer aussi. Allez, va aller faire noël. Mais putain de camarade de merde. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Alors, sortez votre carte d'abonnement, monsieur. Eh hey, les mecs, c'est déjà suffisamment difficile comme ça. Il est toujours là ou il s'est pris la grande. Oui. T'as notre body bag parce qu'il n'y en a pas dans le véhicule. Ah bon? Normalement. Ah, c'est dans l'autre véhicule, c'est dans le véhicule de commandement, je pense. Merde. Écoute, mec, il a l'air d'être qu'un. Tout, il a l'air d'être tout replié sur lui-même, la vieille, alors que ça va être bon, je pense. Ouais, c'est bon. Et tu peux t'enlever ton bandage. Un mec qui arrive par le nord-est, attention, un mec nord-est, mec nord-est, proximité, de l'autre côté du bâtiment nord-est. Il arrive sur la zone du crash. Il va passer sur notre nord là. Gare enlevée. On a gauche. Non, que là. Ok, c'est fait. Vu ? Ouais. Bien joué. Okay. Bien joué. Merci chef. Tu m'as mis une morphine ou pas ?
Non, je t'ai pas mis de morphine pour l'instant, mais c'est pas la priorité là, excuse-moi. D'accord, ouais. Ok, Si on arrive à réveiller Doudou là, fait. Ok, tu restes sur ouest. Je vais essayer de mettre une adrée, on va voir, ça va peut-être le réveiller. Ça nous fait un homme en plus. Ok, adrée injectée. Vous avez ses stats, c'est. VIP qu'il a un coup. Ah, mais t'inquiète, il a un coup. Ok, ça remonte bien avec l'adrée là, c'est vrai, je pense qu'il va se réveiller. Par contre, le pouls a bien bien augmenté. Il y a trop de pouls, j'ai explosé. Foutre sur moi. Ah oui. C'est la drague. Je... Ah non, c'est peut-être le sang aussi. J'ai peut-être pas dû mettre la drague. Hein. Pour que ça le fasse craquer. Ça fait flipper là. Non, ça va, ça reste stable. Il a une tension correcte et une. Ouais, la tension ça augmente, mais c'est encore bas. Hein. Non, mais s'il a une. Ah, sinon, faut une morphine, c'est qu'il a trop mal. Non, mais c'est encore bas, je pense qu'il faut, va falloir mettre plus de sang. En même temps, on l'avait laissé pendant 10 minutes se vider. Bon, Mystery J. Ouais. Oui. Allez m'emballer les pilotes et ramenez-les là. Vous allez en binôme, vous restez en binôme. On n'a pas de sac. Ils sont dans la voiture, ouais, il y en a pas. Des sacs pour... non, il n'y a pas de sac dans la voiture. En fait. Putain, c'est pas la bonne. Mais bah pas allez. La bonne, chef. Bah allez choper les mecs et ramenez-les. Mais allez-y en binôme. Un qui couvre et un qui traîne. Et on peut pas les ramasser. On peut pas traîner les mecs. Il faut des sacs, chef, pour les transporter. Putain. Vous pouvez en former un, donc vous en faire un là. Voilà, je vais vous laisser un sac. On peut aller chercher la deuxième voiture. Oui, chef, qu'est-ce qu'il y a, chef? Mystery J. Mystery J, chut, s'il vous plaît. Mystery J, vous retournez là où j'ai été en position. J'ai laissé un véhicule, le véhicule avec les sacs de bordel. Vous ramenez ça ici. Je vais mettre une perf. J'ai un. Bravo, c'est parfait. T'es revenu attendez, pas, attendez, mon pote. C'est sans, je veux dire, attention, t'avais plus rien à rêver. On y va. Oh la vache. J'ai épicé la dernière goutte de sang, quoi. Oh la vache. Là, j'ai que de la solution saline dans le corps. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est comme moi quand j'ai que de l'alcool. Pareil. C'est ça. Ah, ça tire depuis une... Nord. Dis-toi que je t'ai mis. Je suis à 3 litres là. Oh putain. 3 litres ? Non, si, ouais, bah si. Les mecs, qu'ils aillent pas jouer à faire le carton, je veux les sacs mortuaires là. À mon avis, c'était le sac mortuaire, c'était dans le véhicule de commandement, parce que j'en avais pris deux au début. Bah, on en avait dans le nôtre. C'est celui. Ah ouais. C'est bizarre que j'ai ramené, ça. C'est celui que j'ai ramené en second, donc s'il le ramène, c'est bon. Ah, je pense que ça a aidé quand même la petite épi. La petite épine. Ouais. Voilà, il y a bon, des véhicules. Le rythme cardiaque en train de redescendre. Non, t'es bien. Ils arrivent. Ils arrivent avec les deux, ouais. Super. Ah non, mais avec deux, ouais, normal. Ok, vous stationnez les MV. Pareil, même binôme. J'ai Mystery, vous vous occupez d'aller emballer les mecs et de les ramener. Un qui couvre, un qui traîne. On peut se moquer un peu si tu veux pour les aider. Ouais, ouais, vas-y. Il y a que ça, on peut pouvoir embarquer tout le monde. Privilégier les pilotes ou des tas. On privilégie les pilotes. Les pilotes. Qui pour ? Pilote, bien reçu. Ça tombe, ils étaient tous dans celui qu'on a laissé en arrière. T'sais. Ah, c'est bon, les cadavres ils commencent à refroidir là, je commence à moins avoir de points brillants partout. Vous les avez smoké, eux ils vont plus rien voir. Ouvrir l'angle là. Ouais. Ok, Doudou, t'es dans quel état? T'es OP? Ouais. Par contre, il y avait que deux sacs dans le véhicule. Franchement, moi, nickel. Franchement, un peu la gueule de bois, mais ça va, quoi.
Je dirais qu'ils sont... La vieille, tu vois mon doigt? Ils sont ici. Non, je vois pas, j'arrive. Il me reste un sac. Parfait, t'as un sac dans le sac? Non, je crois pas, je l'ai filé, j'avais le droppé. Non, j'en ai plus. Tu vois la vieille, mon doigt? Ouais. Il y a deux hommes qui remontent cette route là. Tout doucement. Okay. Je pense que vous pouvez C'est bon? Cool. Ouais. Ouais, c'est pas grave, Diego, on va chercher le dernier. On a chargé combien d'hommes et il nous reste combien d'hommes là? Il va en rester un qu'on peut pas prendre là. On peut pas le mettre comme ça dans la voiture? Non, on en reste. Il nous manque un sac, putain. Chier. C'est qui? Je vais regarder, je vais prendre son top-tag. Ouais, s'il te plaît. Regarde, je suis perdu. Et à coup, j'ai traité les deux au sud. C'est Sigan. Il y a encore du monde qui arrive par le sud, donc on va commencer à décrocher. Pas de sang, il n'y a plus de sac là. C'est bon, vous pouvez descendre. Historique, quoi, une frais. Te remettre une petite poche. Pardon. On fera le compte des litres que tu m'as mis après. Ah, papier est chargé là-haut. Je crois qu'il y a plus de 3 litres. C'est combien le sang humain? Enfin, combien de litres? Bah, il s'est chargé dans l'autre. 5 Bah, 3 litres et demi, ouais. 3 litres et demi. Oh putain. T'avais perdu 20 kilos. La vieille pour le sang. Ouais, je t'écoute. Sur la carte. Tu nous ramèneras ici, ok? Ouais, ok, ça marche. On récupérera le troisième vie et on dégage de là par le nord et la voie rapide. Donc sur mon doigt, hein, correct? J'ai pas vu ton doigt. Dernier chèque chargé, chef. Tu vois pas mon doigt là? Non, attends. Plein sud. Alors moi ce que j'ai vu c'est plein sud par rapport à notre position. Non, négatif. Là okay, où on a laissé le... Tu vois le premier arrêt où on a laissé les 3 MV? Attends, j'ai descendu. Ouais, ici là. Tac. Ouais. Tu vois? Oui, oui. Vas-y, montre. Ouais, voilà. Tu nous laisses là sur le coin, tu nous arrêtes, on prend le troisième véhicule, on reprend la voie rapide et on trace. D'accord. Ça marche. Qui a son arme là? Tu conduis le premier véhicule. La canap, ça. Ok, quelqu'un peut la foutre dans le véhicule? Ah, c'est pas ça là. Okay. Tu conduis le premier véhicule et tu nous emmènes là où on a abandonné les véhicules la première fois. Je te remontre où c'est sur en vrai, le véhicule. C'est bon, j'ai vu. Ok. Comment tu peux voir? C'est moi qui. À nous ça? Pourtant, il y a une. Il y a une poignée. Ouais, c'est con, t'es honte. Ouais, non, mais c'est moi qui ai pris le petit. Ah, c'est moi, c'est tout. Ok, vas-y, bah tu vas. C'est bon, j'y vais. Je sais pas si je au moins récupérer l'optique pour pas laisser l'optique. Mais... On va attendre que tout le monde soit monté. En le volant. Ah, je monte avec vous, comme ça je prendrai le dernier véhicule. Tu m'attends. Et. Je ferme ma portière. Allez hop, on suit. Putain, fait chier. Diesel, bah on va attendre le top. Perdre autant d'hommes pour sauver deux cadavres. Ok, on est bon, on vous suit. On s'arrête pas. Jusqu'à là où je t'ai dit la vieille. C'est reçu, on est parti. Une porte ouverte.
nickel, la vieille, envoie un mec récupérer le MV là. Dis, tu vas récupérer le MV. Non, j'y vais moi. Ouais, vas-y, Doudou. Ah oui, t'étais avec nous, ok. Doudou est parti. Attends, je descends et je reviens. Pose pipi. Ah, il y a... Ok, on va faire comme à l'aller. Victor, tu ouvres. Doudou, tu passes en second. On va fermer avec Sparfel. On se met en place et on prend la voie rapide vers l'est. Oh, avance Sparfel, cache-toi. Attends, parce que, ouais. Vas-y, voilà. Doudou, passe. On se remet en colonne au niveau de la voie rapide. On avance, on reprendra la colonne sur la voie rapide. C'est parti. Ici pour manœuvrer, merci quoi. Pour info, contact au traité. C'est parfait, il détruit tout. J'ai pas fait exprès. Elle est toujours chaotique cette mission, bordel. C'est toujours ce même tireur embusqué qui bute tout le monde. Allez, on dégage de la pleine vitesse. Chier! Au moins cette fois on a les pilotes. Je sais pas pourquoi j'ai une 117 moi. J'aurais pas dû me trimballer la 117. Inconscient? Non, enfin je vais bien, disons que mon jeu crache. D'accord, ok. Je sais pas trop comment le faire comprendre. Oh putain. En fait, quand j'ai viré la radio de mon sac, il a fait get up mon jeu. Ah ouais, merde. Bon, c'est à la fin de toute façon. Ouais, ça m'arrive souvent à la fin en plus, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Pourquoi t'avais besoin de la violette au sac maintenant? C'est vraiment, mais quel con quoi. Il cherche la merde hein. Il a utilisé son inventaire quoi. C'est ça. Allez, je vais être sur la photo finale. T'es vraiment inconscient comme comportement. Allez, on accélère là. Je veux être sur la photo finish. Comment tu sais que ton jeu est en train de cracher, c'est-à-dire? Parce que j'ai eu un pop-up d'alerte et que je sais que quand ça fait ça, généralement, mon jeu va cracher dans pas longtemps. Bien, c'est qu'il te prévient, c'est sympa. Ouais, est-ce qu'on peut appeler ça prévenir? Ouais, c'est sympa, mais c'est pas cool non plus, quoi. C'est comme si tu savais quand t'allais mourir, quoi. Enfin non, on te dit que tu vas bientôt mourir, mais tu sais pas exactement quand. On te dit, il te reste quelques jours à vivre. Quelques jours, ça veut déjà dire plus d'un. Ouais. Ouais. Ah, les autoroutes de Fallujah. Belle, mais elles sont vides. Un peu comme leur ville. Enfin, comme la ville. On est revenu à 6, on est parti à 10, on est revenu à 6. Bon. Heureusement que t'as sauvé Doudou, sinon ça aurait été 50% de perte. Putain, franchement c'est la première fois que je fais revenir d'un mec comme ça, si bas en vie. Enfin, sa tension, je crois que c'était genre 30 ou 20. Un truc comme ça, enfin. Genre, il est vraiment un cul de taré, hein, c'est. On a
bien fait d'y aller et la vieille a bien fait de te prendre avec lui. Ça me rappelle, t'as pas la première fois qu'on l'a ouais. joué. Ouais, ouais, qu'on a dû retourner le Humvee nous-mêmes. Je me souviens, ouais. Justement sur l'extraction en plus. Ouais, c'est ça, c'est Froggy. Froggy, il avait pris un... C'est Froggy, il avait pris un virage un peu serré. Ah ouais, c'est ça. Ouais, il s'était retourné. Derrière le hangar là, ouais. Eh ben. Une photo finish avec tous les cadavres. Allez, on décharge tous les cadavres, on se prépare pour une petite. Décharge celui-là. C'est possible de mettre à moitié dans un body bag. T'as qu'à te mettre au milieu des body bags allongés. C'est ça, on les met de la nuit, peut-être tu te mets au bout et. Ah là, ici, ici, devant les deux. Bien faire la photo. Devant les deux ici, là. Ouais, devant là où je suis. Le MV renversé. Non, il est nul. Non. Oh, mais non. Ok, je le fous comme ça, là. Ouais, c'est bien. Et les herbes, c'est un peu moche, quoi. De toute façon, c'est moche. Jimmy va chanter une chanson dans la voiture. Non, non, faut avancer, là. C'est parfait. Attention, vous allez vous rentrer dedans. Oh putain, c'est fou les mecs. Ils ont fusionné. Ah. Bah toi tu jettes bien tu changes bien un truc dans ton inventaire. Ah j'ai oublié mon sac. Oh bah, bravo. Ah. Sur le toit, vas-y. Bravo. Moi je prends les M4 on et se fait ramasser les armes et lui il leur laisse tout un on sac. On a oublié ton sac la vieille. Ok, tout le monde est en place là. Attends, ouais. il manque un sac. Aïe, il manque le mystery. Attends, mets-toi plus Ou alors, ouais. Il faudrait faire ça à toutes les missions. Franchement, il faudrait vraiment qu'on fasse attention à prendre les morts quand on joue et il faudrait les mettre sur les photos finish pour qu'on voit bien tous les morts. Ouais, mais là, le problème, c'est que des fois, tout le monde est mort en fait. Ah, c'est pas... Vas-y, mystery là, rejoins la photo. Là. Doudou, il croit que c'est un édredon. Ok, attendez. Allez, ça fera l'affaire. Je sais pas qui c'est, Doudou, quand tu t'es couché, mais tu confirmes la rigidité cadavérique. Y'a un. Ah merde, j'ai plus le. Y'a un truc de radio. Cheat. Oui, 0-0. Et bah, quelqu'un le fait parce que je l'ai plus là, faut que je change mes contrôles. Oh putain. Bah... T'as fait du trafic, c'était beau.